auditeurs auditrices Caraïbes FM, tout le monde qui a fait les journaux. Et au niveau Union Haïti, nous gagnons une première réaction suite à la décision chef l'État pour nommer Jean Rissien Premier ministre. Mais oui, Unis prend note de nomination ça, par président de la du maître Jean Rissien comme Premier ministre. Nous souhaitons que maître Seyan, que tout le monde connaît, que lui-même tout compte, tout le monde a montré lui à la hauteur de moment fragile ça que le pays a vu, moment fragile tant sur le plan politique, social et économique. Et t'en as vu là justement mandé pour diriger ou faire preuve de sagesse, d'esprit d'ouverture politique pour mettre Haïtiens au Chita ensemble pour travailler, pour nous capables de faire une fondation pays ça. Non, il y a une correspondance où tu es adressé à chef l'État, Clarence Renoir, où tu es demandé pour le temps des cris. Population, à travers choix ça, est-ce que vous pensez l'étendue ou l'étendue appel loi et l'étendue cri population en tout? Eh bien, c'est surtout écrit population pour président entendre, pour dirigeant entendre, parce que nous, ça qui est passé 6-7 juillet, ces manifestations, trop de misère, trop de souffrance, trop de désespoir, trop de frustration qui est dans le pays. Donc, situation pays n'a pas bon. Pas de l'espoir, c'est ça nous dit, il faut que le nouveau PM dans lui-même capable de prendre une initiative pour faire apaisement social, prendre des mesures sociales pour soulager souffrance, misère, chômage et qui gagne dans le pays d'Haïti en général, dans Port-au-Prince, dans le reste du pays. Et ça, son premier travail, puis le nouveau Premier ministre, le gouvernement pour le faire, le petit Parlement approuvé. Mais on l'autre pas tout. Le pays a besoin de la paix, de stabilité pour nous créer emploi. Pour qu'il y ait un investisseur qui vient investir en Haïti, il faut qu'il y ait la paix et la stabilité. Pour le nouveau Premier ministre, montrer qu'il y a une capacité, comme il déjà, pour lui parler avec adversaires politiques, président et gouvernement, pour être capable de comment nous cacher ensemble, pour nous discuter de problèmes pays ça, et chercher une solution ensemble. Et pendant parler de création d'emploi, nous avons le candidat Rémi Haïti à Jean Rissien, en tout cas l'aide des candidats a été annoncé que l'APCAL a créé pendant 100 premiers jours d'administration là, 100 000 emplois dans, au profit des jeunes, 40% dans le travail dans le cadre du programme sécurité frontalière. Et il dit qu'il entend une mesure définitive de sécurité, l'APCAL a employé 40 000 jeunes pendant ce frontière là pour capable resserrer et tout contre maintenant. Vous pensez avec Rivella, puisque c'est un ancien candidat à la présidence, donc qui était une vision, et il est capable, en tout cas, mettre avec par président Jovenel Moïse là, et ça a un résultat ou non? Je pense que c'est un pile vision qui vous mettez ensemble, qui vous un résultat, mais vous connaissez moi-même pas au monde qui aime faire promesse en l'air. Et faire promesse, c'est une, mais réaliser le son l'autre. Nous, ça passe déjà dans l'histoire pays noir, et qu'on y a toujours nos résultats, faire promesse qui pas caractérise. Maintenant, mes enrichis, des candidats à deux reprises dans l'élection présidentielle, et lui, son monde qui est très connu, donc, mais pensez que lui, pral chita, parler avec le président, avec l'autre monde que lui doit parler, pour être type de projet qu'on a mis en place, pour recréer espoir. Nous, intervenons nous-mêmes dans l'Union, surtout pour les jeunes, nous sommes désespérés. Si il y a possibilité de vous créer un pour jeune maillot, c'est... Allô? Allô? Oui, oui. Non, nous-mêmes, nous pensons qu'il y a une nécessité, justement, pour créer un pour jeune maillot, et nous disons, tant mieux, s'il est capable de donner l'idée, par le projet vision, que le bien avec vision chef l'État, pour ensemble, nous créer ce climat de paix, ça, climat de sérénité, ça, qui est capable de favoriser la création d'emplois. Eh bien d'accord, merci un peu Clarence Renoir, bonne journée. Voilà, Clarence Renoir qui était en direct avec nous, bonne garde, on a débarrassé studio avec deux et monsieur Sayo qui est ensemble avec nous pour nous capable de prendre l'autre dossier, Kossi Samuel qui c'est porte-parole Centre National de Défense des Démunis et Handicapés. Bonjour. Oui, bonjour Pierre Renel, bonjour Guerrier, bonjour tout auditeur Caraïbio. Et ça qui est important, il y a un CNDDH qui est le Centre National de Défense des Démunis Handicapés, RFH, Association Handicapée Carrefour, et plusieurs autres associations qui ont envoyé une pétition dans la presse, d'accord, qui ont caractérisé toute problématique qui gagne en tant qu'entité qui est plus faible dans la société. Les gains de justice sociale, les gens handicapés, yo plus subi tout bagay. Nous ka comprendre ça, ça veut dire un jeune secteur, comprendre, et qui marginalisé, chargé problème,
et à travers l'État, il y a un bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés qui parle en politique d'orientation vrai pour une politique nationale d'intégration des handicapés vrai. Et ça, c'est un bagage qui est grave. Côté nous faiblesse, institution ça, directement, et puis tout même à travers le gouvernement, et qui par définir une politique sociale vraie pour une catégorie qui est plus faible, capable de jouer à aller mieux. Et nous jeunes des politiques secteurs sous droit et nous, en tant qu'exemple, nous prenons trois mondes à nous. Donc, que nous t'es mobilisés et fait élection avec eux, bah, eux, coup de main, je dis à la, on fait même, téléphonie, ils ont monté vite sur nous. Donc, Renaldo Brunet, tant et magistrat, Jude Pierre, il connaît qui est-ce qui consiste Samuel là. Jude Edouard. D'accord. Mais ça qui est important, mais ça qui est important, je l'ai dit, monsieur Guerrier. Cela veut dire que le monde, ça, faut pas faire nos dépôts, soudoyer, secteur ça, puis après ça, puis rejeter. C'est ça que fait moi-même, nous-mêmes, non, mais nous-mêmes, mais qui ça nous dit, exactement, faut gagner, faut le président continuer à faire dialogue là. Parce que nous regrettons lorsque le président pas mettre mon handicapé, parce que le représentant secteur ça en dans dialogue là. Deuxième bagaille, nous voulons faire un dialogue qui franc et sincère, même notre dialogue qui gagne à travers et commission qui travaille sur question dialogue national ou bien sectoriel là, faut que si t'as attendu parler avec mon secteur ça parce que y a des revendications spécifiques vous voulez bailler. Et bien encore tout nous t'ai fait choix de monsieur Béan comme premier ministre, mais comme je dis en dedans de monsieur c'est un point qui tombe. oui normalement nous ça le choix ça quand même nous pour Béan vers nous pas dire c'est pas notre de passer. Mais nous demander tout faut monsieur Séan comprendre secteur ça ce secteur qui besoin en pile attention spéciale, d'accord, pour renforcer capacité et de nous pour nous avancer directement pour nous. D'accord. Merci en pile aussi. Au premier, vous va charger. D'accord. Et en aller avec Jocelyn Joseph Reynald, qui nous recevoir déjà là, qui t'est parlé de question prison, Tigouave. Mais maintenant là, au passé pour faire annonce. Oui. En fait, bonjour Guerrier, bonjour Père Renel, et tous les amis qui ont écouté dans le moment ça. Et particulièrement mon Tigouave. Maintenant là, c'est pour nous capable au moins, en fait, informer grand public là. Et toute l'autre autorité, ça concernait que, désormais, que je ne fais pas partie de OPC. Parce que normalement, pendant mes 6 ans d'année que je suis service comme responsable de protection de la prison, et à chaque côté que je suis arrivé, je me suis dit, mais OPC. Et je venais vous dire à ma institution en dos, et je ne pas voulu, puisque je vais reprendre, je continuer à vivre la vie, puisque je suis avocat, et je ne pas voulu, pendant, je vais engager une activité professionnelle, pour que je comprenne que je vais utiliser, peut-être, qualification ou position que nous avons dans OPC pour me faire l'autre bagaille. Parce que nous connaissons suite à la dernière intervention que nous avons fait là, qui permet que, venez je dis à monsieur autorité en destitution a estimé que nous ne pas parler en faveur pouvoir, que nous avons parlé très mal, pendant que nous avons dit qu'il y a des gens qui ont mouru en prison, et ça a été triste, et nous pas qu'à comprendre pour des gens qui ont fait pays, pour se conseiller à comprendre bagaille là. Et moi-même, je suis un homme qui a colonne vertébrale, je suis un homme de caractère, et on partit à un congé, on tourne là, on tourne au Kimbi Gaz, au Kimbi Chèque, on quitte là. On va devoir être congé signé, non? Oui, t'es qu'un congé. Mais le directeur général là, bon, il y a un petit problème, parle-toi avec moi. Moi même pas besoin de parler en bataille. Congé ou la pas de signé, c'est ça? Congé, pas congé là, il y a eu cagadé, m'a quitté le document en moi. Mais tu vois, comme il y a un problème depuis après intervention, ça, que estime que je ne peux pas en faveur avec l'autorité, et alors que je l'aime parler sans l'euro et moi, parce que je veux ça, je ne peux pas faire l'éloge pour eux, et moi-même choisi, moi parle là. Et 4 sacs dans mon guerrier, c'est 4 institutions. Et il dit, l'op à la dame, on est capable de restituer. Et ma foi, qu'on fasse tout quitter. Non, bah, non, madame. Non, on est tout était dans la duel, on met vos épreuves. Parce que quand tu commences à pas rentrer là, on va pas rentrer. On va pas rentrer. Parce que c'est juste, mais ce pays, ça, son pays, tout le monde qui a battu à la dame pour le monde, c'est poussé au métro de York. Moi, pour son jeune garçon, t'as quoi? Moi, formé, mal étudié en France, je viens de ce pays pour ne comprendre, pour pousser pour faire me quitter le pays, pour forcer. Mais c'est pas juste, monsieur. Oui. Donc, je pense que, pour nous dire, nous clair. Demain maintenant, machin, on parle devant la Cour supérieure des comptes pour me dire, regardez, qui est-ce qui s'y est en place, qui prend gaz, comme gagne chaque mois. Et chèque là tout, puis au pas bon moins, pour qui ça, est-ce que le parlement vient de droit? Parce que quand j'ai pas une démarche administrative, qu'on peut parler de la Cour supérieure des comptes, là, qu'on a fait, pour... Non, c'est démagogie, c'est des hommes qui peut-être, on pas qu'on est à l'école, on pas qu'on est contre le Tichita. Parce que le congé est d'ordre public. Chaque monde qui a 16 ans d'administration publique, on pas comprendre pour qui ça, on pas qu'il doit 25 jours congé.
Et me prend congé moi-même, t'as servi pays pendant 16 ans. Moi, quitter OPC. Oui, non, mais pour qui sa décision, c'est quitter OPC pendant que on est, qu'on institution claire pour régler les gains différents. Oui, mais écoute, derrière, on est en fait, Vladimir Gassan, qui est chef cabinet protecteur. On est qui toujours amené à costume, en fait, costume ni, mais ça vient toujours en bas costume ni. Car faut comprendre que, même les Guinois ont le pouvoir, mais pas opté pour, d'accord, pour moun parler mal. Et m'a dit, qui pouvoir m'a parlé mal? L'aim t'a parlé de la vérité. Moun t'a pourri dans la prison de ton pays. Donc, Suisse, m'a pas besoin d'aller dans la bataille. Et m'a pas un moun dans le caractère m'tou, t'a vandalisé l'institution. Y'a pas d'un pape, j'en m'dis yo. On y va en yo. M'a prêté moi-même parce que m'y éthique professionnelle. Mais Suisse, m'a dit, matin, hein, cette histoire d'OPC, hein, son page tournée. Et l'on moun dans la rue, on parle de OPC. Okay. Merci beaucoup. Mais nous pas qu'embé et quatre là, c'est pour aller remettre les. Non, pas praler en dedans, pas praler en dedans, pas praler en dedans. Quand il y a une fois qu'on fait ce qu'embé le promettre, il y a plus une prendre, il y a plus une prendre. Non, pas pour moi. Mais pas pour moi. Parce que moi-même, quatre ça, le choix pour moi, pas besoin de l'empoche moi-même. Non, mais merci. Mais donc déposer le nom commissariat. Même tout bas est inspecteur. Parce que moi, pas qu'embé le mot. Pierre Wedel. Eh bien, on a fini avec, mon après se voir sur boulevard pour aller dans, dossier qui qu'embé nous à cœur, c'est dossier qui vient pour avec insécurité routière puisque week-end ça c'est peut-être week-end qui est plus dur pour sécurité routière là. Donc 21 monde mourir et nous pral garder chaque passé et pour qui ça nous pas capable de travailler pour nous réduire quantité accident qui arrivé sur route surtout dans période de vacances surtout coup période nous est là. Entre-temps nous pral parler très rapidement avec Joli cœur, Jean Rhys, yo connais sous nom Chouboulout, oui, qui, nan, Carrefour, toute zone, Grécia, qui a travaillé dans la question formation professionnelle jeune, yo, donc, il est passé, la radio à pour faire part, donc, projet de formation que le gain pour jeune, yo, pour période ça. Bonjour, Joli cœur. Bonjour, monsieur Pierre Runel, bonjour, monsieur Guerrier, bonjour, Radio Caraïbes, et bonjour à Patrick Monsignac, qui bat gros espace ça. Ça ne même pas de faire radio ça. On passait la matin hein, pour nous insister au niveau de communication, pour nous annoncer les formations que nous avons fait pour les jeunes. Parce que le pays, ça, il est fini. Et si nous pas mettre main, pas gagner qu'à régler. Moi-même, m'a commencé, mais demander tout pour tout département, yo, tout pays à net, tout à prendre part de dossier ça. Mais n'a commencé Grissier à Carrefour. Pas grand pile de temps, non, joli cœur. Grissier. Vraiment pas grand pile de temps. Grissier, c'est, m'de qu'a dit, m'de saluer Père Emmanuel, qui bat nos local là, pour nous commencer à faire pour ça, yo. Qui ça nous va le faire pour jeunes, yo? Parce que jeunes, yo, pas qu'à faire 4 ans, 5 ans, va prendre encore, ni 5 ans, ni 6 ans, parce que bon problème économique et problème de soins. Nous allons lancer un cours, dans ça, l'électricité domestique, côté que l'électricité domestique à l'IVAS, nous allons monter Orange Blender, faire passer ventilateur en 3 mois. Je n'ai pas d'apprendre, prends métier ça, soit prends exemple, et acheter 100 ventilateurs qui crasent à 10 dollars, et mettre 1000 dollars dehors comme dépense. Si ventilateur ça a été vendu 400 dollars, l'on multiplie 10 par 250 dollars, on peut faire 25 000 dollars. Mais quand, au moins, mettre manger la cali, si la faculté, les KPI, faculté. Nous parlons d'un cours sur musique, dans un an, n'a pas un cours sur ça, et le monde qui va quand lire à quelqu'un. Alors, il y a des gens qui disent que ça ne pas dit alphabétisation, c'est parce que nous avons pris un thème, nous avons dans ces alliés. Mais, nous avons dit pour le pas politique, parce qu'on sait l'église et son projet pastoral et son projet paroissial, côté que Père lui-même prend part du dossier, ça. Et nous avons fait le Carrefour avec 1100 Paul Doirin et son ami, qui ont une grosse vision pour Carrefour, côté que nous prenons 13 sections communales là, yo. Côté que l'impaille de 13 sections communales, nous est taille faire, Poussy, Coupeau, Malanga, Laval, Bouvier, Mona Chandelle, Coraitor, Diffréné, Belly, Bisoton, Thor, Rivière Froide. Côté que tout le monde, ça, yo, Kazek, yo, Azek, yo, délégué, yo, nous demandons pour les moins dans 3-728-2705, parce que nous prenons, mettez formation ça, dans Carrefour, dans toutes sections communales, ça, yo, tout. Et dans 3 sections communales, Grissier, yo, tout. Côté que nous prenons, Mona Bateau, tout le monde, Mona Bateau, Mona Chandelle, Petit Boucan, y a des sons chaque dimanche dans l'église Saint-Jean, venez faire inscription pour capable pour jeunes capable pour formation ça inscription pas plus que 50 dollars haïtiens et 100 dollars le mois on va faire le